Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Sanctus Reach. On est dans les collines creuses pour une escarmouche. Avant de lancer l'assaut sur la forteresse, il faut nettoyer les alentours. Alors je pense que ça sera un assaut ou une défense, hein. En gros, on mène l'assaut narrativement et ensuite il faudra défendre d'une contre-attaque orque. Mais pour le moment, on a un engagement. Donc on est en mouvement tous les deux et on se tombe dessus. Donc les orques au nord. À l'est et nous à l'ouest. Ok, donc prendre des points de victoire, c'est classique. Les deux seront en mouvement, donc ça laisse toujours des engagements très rapides au centre. Vu qu'on est tous les deux en mode allez, j'avance sur l'ennemi. Ça risque de picoter quand même, hein. Alors attendez, j'essaye de passer en QWERTY. Ok, voilà. Alors, de quoi? On a que 3000 points de force, c'est une toute petite escarmouche. On va en profiter pour combler nos petits levels, hein, comme on fait. On va quand même prendre notre Dreadnought. Parce que c'est quand même une arme assez efficace, même s'il n'est pas anti-tank encore, hein. Ça serait cool d'avoir le casse-tank. Sur Firewolf, on a les munitions vengeance. Terminator, marteau Thunder, bah, on essaye toujours de leur mettre des XP. C'est compliqué quand vous avez des marteaux et que vous devez courir après chacune de vos cibles pour achever toutes les unités qui vont bien. Par contre, s'ils arrivaient à tuer des grosses unités, ça serait cool. Le problème, c'est qu'on a vu un Warboss, bah, c'est hors de portée le Warboss. Pourtant, techniquement. Une escouade de Terminator sur un World Boss, ça devrait passer, hein. Mais peut-être qu'on a mal engagé le combat. En plus, bon, ils se sont fait tirer dessus et tout ça, donc le moral n'était pas forcément au plus haut à la confrontation. On va prendre les Bolter Tempête là pour les finir. On va prendre le lance-flamme lourd niveau 2. On va laisser le lance-flamme lourd niveau 3 ou pas? Il vient juste de passer de level. Ah, il a la régénération et il a l'amulette du loup. Commence à être fort ça, hein. Allez, on va l'emmener. Les Melta, ils sont déjà level 3. Ils sont à 1 pixel de passer level 4. Donc évidemment, on va prendre les deux Melta. Ou quand on les utilisera, ils passeront le level et ils auront leur level durant la mission. Hein. Donc ça gêne pas du tout de les monter durant les missions. Donc non, on les gardera pour la forteresse, les Melta. On va emmener Ragnar Wolfarson et son Rhino. Vu qu'on est en mouvement, on va prendre les deux Rhino. Alors qu'est-ce qu'on emmène dans les Rhino? Les deux lance-flammes. Vu qu'on n'a pas les. Comment ça s'appelle? Ouais, on n'a pas les Melta. Donc on mettra probablement les 4 lance-flammes dans les deux. Dans les deux là. À côté de ça, bah, on va emmener toutes les Bloodclaws qui n'ont pas pris leur level 3. Kunu. Oh, il nous a fait un carton. Alors il coûte que 40. Ça donne envie de le prendre à chaque fois, hein. Mais évidemment là, il va gratter des XP aux autres. Donc on va le garder en réserve pour le moment. Et il va juste envoyer ses hommes pour finir leur level. Donc techniquement, on va prendre que 6 Grey Hunter. 2 lance-flammes, 4 Bloodclaw. Et on va combler avec les Bolters qui sont pas encore niveau 4. Bah, il n'y en a qu'un. Donc Chef Petito. Et bah du coup, on comble avec quoi? On va combler avec... des Landspeeders. Alors les Landspeeders, ils sont tous niveau 4, aïe. Les Swiftclaw, par contre, n'ont pas réussi le truc, hein. On va prendre les deux niveau 2 en Swiftclaw. En fait, il y en a plein de niveau 2. Je dis ça, mais... les deux niveau 2... On va prendre ceux qui ont le moins d'XP. Lui, il pourra passer en même plein milieu de mission. Voilà, on va prendre une Grim. Et Adol, il a un peu d'XP. Lui, il n'en a pas, mais il est déjà niveau 3. Ok. Il nous reste 60 points. Juste assez. Je vais retirer Fulminus. Ça m'embête, hein. Ou je retire ce Terminator. Ouais, vaut mieux qu'on prenne des niveaux 2 en Swiftclaw. Donc on va prendre Wobiax. Et on va prendre Adol. Pile. 0. On a le compte. Comme ça, on aura une réponse rapide. De toute façon, vu qu'ils vont bouger, on va bouger. On va envoyer peut-être les motos, vous voyez, sur un côté, et on va faire un sweep. Une griffe à gauche, une griffe à droite, la morsure au centre. La morsure, ça sera juste, sera juste un dreadnought. Hein. On n'a pas pris les. Ah bah, on n'avait pas accès aux. À nos bolters lourds. Hein. On les a pas là, les bolters lourds. Faire attention. Hein. Là, on essaye d'optimiser les XP. En gros. Faire bosser tout le monde pour que tout le monde acquiert de l'expérience, mais ça risque de mal finir de faire ça. Ok, donc les deux rhinos,
Ça risque de mal finir simplement parce que on n'a pas ce qu'il faut pour combattre sur le terrain des fois. Alors, Fulminus. Hop, là-dedans. Filcas. Dans l'autre. Et on va essayer les Terminators. Je pense qu'ils rentrent pile dans le truc, hein. Alors, on pourrait prendre les Terminators. Vu qu'on a pris qu'un lance-flamme, on va prendre le marteau tempête en second. Ah, il rentre pas dedans, j'y crois pas. Ah oui, mais eux, ils sont 4, c'est normal. Ok, mais eux peuvent. Oui, ok, ils peuvent. Et eux sont 4 aussi. Malédiction. Bon, c'est pas grave, on va mettre un... On va mettre un loup dedans. Celui qui a le moins de trucs. 8 sur 12, on peut même mettre une unité de bolter si on voulait. Hein. On pourrait prendre le chapitito et l'emmener là-dedans, mais... Les bolters, je préfère qu'ils avancent normalement parce qu'ils ont un overwatch quand même qui est pas mal. Et eux, ils sont 5, donc on peut pas les mettre. Ok, vérifions. Là, c'est 12 sur 12. Là, c'est 8 sur 12. Ok. Le Dreadnought. Alors, vous voyez, c'est pas si large que ça, en vrai. Hein. Donc, on va pouvoir intervenir un peu partout. Faut pas qu'on soit trop proche de l'ennemi sur ce genre de map. C'est quoi ça? On est sur un terrain accidenté. Tiens, mettons ça là. Ici. Si on reste caché. Ça va pas le faire. Hein. Quoique, on pourrait tirer sur la diagonale. On pourrait mettre les bolters là-bas. Bon, évidemment, les loups, il faut les faire avancer. Je pense qu'on va directement les mettre à couvert ici. Kunu n'est pas là, mais il faut qu'ils fassent leurs armes tout seuls un peu. Hein. Hop. Les bécanes, alors. Ok. On va les envoyer avec les deux rhinos. En fait, on va les envoyer au centre, tout ça. Le bolter, on va le mettre là. Lui, on va le laisser là. Ce Space Wolf, on n'a pas besoin d'aller les marteaux tempête là-bas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour que ça ait l'air d'être solide? Peut-être des bolters, mais là, le problème, c'est que vous voyez, ils sont enfermés, hein. Il va falloir qu'on casse les décors pour avancer, pour pouvoir faire ce contournement. Et je crois que c'est cher payé pour pas grand chose. Alors que je pourrais les déployer là et ils avancent ici. Hein. Franchement, on n'y perd pas grand chose. Sauf si les orcs contre-attaquent tout de suite. Si les orcs contre-attaquent tout de suite, on a une bonne défense. Et on peut les allumer pendant qu'eux nous tirent dessus alors qu'on est à couvert. Mais franchement, je crois qu'on va carrément mettre les marteaux tempête tout devant. Tant pis si jamais on n'a pas l'init. On va se mettre derrière cette formation rocheuse le plus vite possible. On va faire un truc comme ça alors pour l'Overwatch. Et puis on va avancer un peu plus le Dreadnought du coup. Ok, les loups. Oh, il nous en manque un. J'en ai un qui est pas déployé là. Je sais pas où il est. On n'avait pas que 3 loups. On en avait au moins 4. Ah mais il y en a un dans un des rhinos. Ok, et les rhinos, on va les mettre là pour le moment. Et du coup, est-ce qu'on n'enverrait pas les bécanes ici, en fait, pour faire ce petit côté? Ouais, si, on va faire comme on avait dit au début. On va envoyer un petit escadron de moto ici, c'est suffisamment rapide, et avec l'ospex, on aura vite un point de vue de l'ennemi. On n'est pas trop près, là. Là, on est un peu près, on n'est pas couvert. Si, on est couvert, on est couvert, on est couvert. Ok. Tentons comme ça. Ce côté est plutôt faible. Hein. Mais c'est des unités d'assaut faites pour avancer. Et on pourra toujours larguer les troupes. Hein. Nobs. Le nob. Ok. Bon, ils ont pas beaucoup avancé. C'est un soigneur. Okay. Alors là, on a quoi? On a un soigneur, un gars qui régénère. Donc il faut qu'on emmène des troupes pour soutenir. Alors est-ce qu'on veut débarquer nos troupes tout de suite ou est-ce qu'on voudrait les débarquer dans un coin pour être tranquille? Sachant que nos troupes, c'est deux lance-flammes. On veut pas les débarquer, bien sûr. Donc on va juste hop, se tourner comme ça. En fait, il y a les soigneurs derrière, donc si je sors mes troupes et qu'on se fait tirer dessus, on aura des soins derrière. Donc je préfère faire ça.
Là, on va aller se faire le Big Shooter ou le Rocket Launcher. Je crois que c'est Rocket Launcher. Même si ça me met en danger de m'avancer comme ça, c'est quand même un Dreadnought, hein. On va pas jouer. On le tuera pas, mais. Peut-être au prochain tour, on va se prendre un tir de roquette par contre. Munition anti-tank. Ah, il a pris cher sur le premier, mais le second. Ah, non. Par contre, c'est quoi qui est devant? On a une petite structure, 185. Je vois pas trop ce que c'est, la petite structure qui est cachée sous la butte, hein. Mais pile pour encaisser les tirs là. Bon, c'était pas fou. Marteau. Marteau, on va juste se coller. Ah. Terrain accidenté, c'est même pas un couvert. Il y a un truc devant nous qui gêne. Non, mais j'y crois pas. Laissez-moi ça. Voilà, là on est à couvert. Et là, évidemment, on avance et on allume. Alors, avec les nouvelles munitions explosives tempête de métal, ça vaut mieux de tirer sur des groupes comme ça que ailleurs. Mais comme vous l'avez vu, hein, c'est complètement absurde. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on touche une unité, on touche toute l'unité. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Les bolters, alors, techniquement, ils vont se faire pourrir. Regardons un peu la distance. On pourrait passer dans le rouge au lieu d'être dans le noir. Ouais, ça vaut quand même le coup. On pourrait même passer dans le jaune techniquement, ou même dans le vert si je m'avançais à fond, mais là on n'aurait pas de. On mourrait quoi après. Bon, cela dit, on pourrait lancer une grenade ici. Non, je crois qu'il faut faire ça. Est-ce qu'on achève des nobs là? Ouais, je crois que oui, hein. Voilà, on en a eu deux. Ok, alors qu'on mette bien les Overwatch comme il faut. Ok, le marteau. Les bécanes peuvent venir soutenir. Va les bouger un peu. Je veux faire un Auspex au moins. Pour un petit bonus de vision. Pour voir un peu ce qui nous attend. Donc là, on a un Warboss avec une Killakan. Il n'y a toujours pas de gros trucs en face, hein. Il n'y a que 3000 points de déploiement là, donc c'est normal, hein. Elle a fait son Auspex, mais c'est elle qui a la fumigène, hein. Donc je vais la garder bien en sécurité. On va quand même faire un tir, donc hop. C'est pas mal. On a fait l'Auspex. On se tourne. Voilà. Elle, du coup, hop. Joli. Ça c'est un couvert, on peut l'utiliser. On sera pas dans le fumigène, quoique. Attendez. Ah ouais, je l'ai mal placé. Bon, c'est pas grave. On sera pas dans le fumigène, mais au moins on a un beau tir là. C'est joué à tellement peu. Hop, un Overwatch de face. Du coup. Ça aussi c'est un couvert. Oh là là, c'est beau. Tuer un héros, c'est quand même cool. Niveau 80, hein. C'est le genre de héros hyper rentable, vous voyez, comme Kunu. Lui. On n'a pas de couvert, par contre. Et on veut tuer les Burna Boys. Ça fait pas énorme de dégâts sur les motos, mais ça en fait quand même pas mal, hein. Donc, si on peut se débarrasser de ça. Au moins d'un tireur, ouais, bon, c'est pas fou. Et on lance la fumigène, évidemment, ici. Pour protéger nos copains. Alors ça devrait gêner un peu le tir là. Mais pas lui. Ok, on a tout joué. Waouh, on n'a pas beaucoup de troupes, hein. Bon, en face, ils devraient pas être trop nombreux non plus, donc ça devrait aller. Ouais. Hop, fin de tour.
recharger en même temps. Ouh, ça a l'air bon. Alors, ah, ça tabasse. 13. Hmm. Ouais, les fumigènes, je suis pas ultra convaincu. Hein. Ça va sentir le cramer. Ok, ça a tenu quand même. Je vais essayer de les faire régénérer. 41, ouais, c'est pas excessif, mais ça pique quand même. Hein. Oh boss, attention les yeux. Ok, il utilise sa wag. Il va nous tirer dessus au lance-roquette. Joli tir de nos flingueurs. Ouch, 72, oh, 88, mais c'est des dégâts de zone. Donc c'est pas trop grave. Ça veut dire que c'est réparti. Oh, il veut en découdre avec le Dreadnought. Ou alors il veut juste le tourner. Il voulait peut-être juste le tourner pour pouvoir lui tirer dans le dos maintenant. 10 de dégâts, on riposte à 25, c'est pas mal. 42, oh là là, ils vont pas tenir si ça continue. On en a pas perdu un, c'est plutôt étonnant, mais il y a aussi les débris qui protègent un peu le tir. Hein. La grenade, ok. Putain. Stop, 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 stop. Arrête. Arrête de tirer sur mes hommes, vilain orc. Ça va, il prend lui pour cible. Hein. Ah. Ah. Vous voyez, l'Overwatch marchait pas à cause de la fumée. Par contre, là. Ouais, il finira par les tuer, évidemment. C'était le dernier en plus. Ah non, il restait une grenade. Dommage. Ouais, on était un chouïa trop près. On a été trop greedy. Parce que le corps à corps, finalement, nous rattrape trop vite. On était. On s'est trop avancé pour se mettre à couvert. Alors qu'on serait pas resté à couvert là-haut. On serait resté près des motos, je pense qu'avec le nuage de fumée, on était bon. Bon, cela dit, on a fait quand même beaucoup de dégâts. Hein, en les laissant s'approcher trop. Parce qu'ils ont tiré dans le dos de leurs troupes, ils ont cramé des grenades, enfin voilà. Ils ont pris les Overwatch quand même. On va se débarrasser de ça. Quoi? Oh là là, ce tir de merde. Ok, il va falloir... quand même se replier un peu. Hop. Là il va falloir tuer des trucs. Alors on s'avance de 1 pour la fumée. Ouais, on a le moral dans les chaussettes et on fait pas de dégâts. On pourrait faire l'ospex pour booster les copains. Allez, comme ça tout le monde aura des bonus de tir. Par contre, non, t'es gentil. Non, ospex, ça me bouffe mon mouvement. Huh. Ouais, attaquer des nobs au corps à corps, c'est pas une bonne chose, mais 200 de dégâts, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, bah tant pis. Bolter. Crack grenade, frag grenade. Frag ici. Crac sur le chef. On va tuer ça d'abord. Faudrait que j'avance de 1 pour lancer la crac. Ok, 65 c'est pas mal. Je recule de 1. Je me retourne et je fais le dernier tir. Ok. Pas besoin de bouger, mais on va quand même achever eux. On détruit ça. Mais regardez, avec les tirs perdus, ça met même 200 à l'unité d'à côté, quoi. Waouh.
Ça fera rien sur le Warboss, hein. C'est juste, ça fait de la OE, quoi. Ok. Par contre, les marteaux, on a le droit à notre vengeance sur le Warboss. Oh, il faut qu'on déclenche les Overwatch avec lui. Ah, il pique quand même, hein. Allez, on l'allume. Ok, on lui a mis cher, mais ça suffira pas. Par contre, contact. Et là, on est full, on est prêt. Je vais attendre avant de frapper au cas où j'ai envie d'aller mettre des tirs en plus. Non, je crois pas. Hein. Il y aura personne d'autre. Allez, on y va. Je veux voir, là, c'est pas possible qu'on puisse pas le débarrouler. Ok, 113. 81. Ok, on a fait plus mal qu'un Dreadnought en tirant dessus. Bon, c'est pas mal. Par contre, on est vraiment trop collé à l'ennemi. Hein. J'ai bien envie d'aller débarquer mon lance-flamme. Ici. À 1, 2, 3, 4. Si je les débarque là. 1, 2, 3. Oh, pas besoin de les débarquer si loin du coup. Il faudrait tuer ça sur la route. Mais on peut déclencher des Overwatch de roquettes. Par contre, on a des munitions Kraken avec celui-là. Est-ce qu'on tuerait pas un truc comme ça sur la route avant? Putain, on l'a presque eu. On l'a presque eu. Alors, je vais pas larguer mes troupes. Bien que je peux l'achever avec les points énergétiques de mes lance-flammes lourds. Le problème, c'est que mes lance-flammes lourds sont la deuxième unité que je lâche. Donc, je voudrais lâcher mes lance-flammes là. Non, on va se déplacer là. Je vais lâcher mes lance-flammes. Je peux pas les lâcher, c'est une blague. Ah si, je peux. Ok, je vais lâcher mes lance-flammes là pour tuer ça. Et mes lance-flammes lourds au contact pour tuer ça au cac. Eh ben non, ça veut pas. Ici peut-être? Oui. Et là... Ah là, mais on pourra pas monter à cause du décor. Ah merde. Et là je peux pas, et là je peux pas, et là je peux pas. Ah là là, catastrophe. Bon, c'est pas grave. Déjà on peut... Ou alors je tente de les achever. Attendez. On a un tir. Ouais, mais non, on lance flamme, on fera rien là. On va essayer. On l'a tué. On l'a tué au lance-flamme et on a défoncé eux. Oh bah du coup, ça me donne presque envie de sortir le deuxième lance-flamme, hein, je vous avoue. Mais je vais quand même reculer pour me cacher derrière le rhino. Et le rhino, on va... Bah on va l'orienter par là. En fait, je vais l'orienter en diagonale parce que... Il y a un rocket launcher là. Et on va sortir le deuxième lance-flamme juste pour tuer eux. C'est pas le lance-flamme, c'est les Space Wall. Ok. Si je tire, je pourrais pas bouger, c'est ça? Ok, c'est une unité d'assaut. En même temps, c'est pas grave s'ils se font focus. Hein. Mais je pourrais aller là. Là, on serait à l'abri. Hein. Et de là, j'ai aucun tir sur eux parce qu'il y a ce truc qui va se mettre sur la trajectoire. Et on n'aura même pas la distance. Non, non, je préfère tirer. Ah, ils sont broken. Ouais, mais j'ai envie qu'ils tirent sur eux, en vrai. Si jamais lui décide de tirer sur mes loups, c'est moins grave que s'il tire sur mon rhino. Hein. Non, non, on va pas gâcher le tir. Par contre, s'il tire au lance-roquette, vu la dispersion, je préfère quand même me décaler là. Voilà, ok. Et là, est-ce qu'on peut achever lui? Bah, je crois pas. Là, on a un beau tir de lance-flamme si on est à 1, 2, 3, donc ici. Donc il faut qu'on aille au moins là. On allume eux. Un, deux, trois. Si c'est le lance-flamme lourd, on peut toucher là-bas. On peut toucher là-bas même le Warboss. Hein. Donc le premier consort, c'est le lance-flamme Fulminus. Donc non. Le premier consort, il peut pas coller eux. Sinon, il va être bloqué. Du coup, le premier consort, c'est une victime. ok. Je peux avancer, mon rhino. Deuxième consort, on veut le sortir là. Si je l'avance là, mon rhino, on est foutu. Ah bah non, je peux plus avancer le rhino, j'ai tiré. Ok, donc on sort le premier là. Et le second ici. Et le second, normalement, il a la portée pour toucher tout le monde. Y compris mes marteaux tempêtes.
mais je crois que ça vaut quand même sacrément le coup. Y a trop de dégâts pour pas le faire. Marteau tempête prennent super cher, mais bon. On n'avait qu'un tir, hein. Est-ce que je m'avance? Ou est-ce que... Oui, je peux m'avancer avec eux, c'est des Terminators. Et eux, bah on peut achever là. Vous voyez, même si je m'avance de 1, ça suffira pas. Par contre, je peux m'avancer de 2 vu qu'ils sont broken. Pour aller toucher ça et ça. 2, 3. 1, 2, 3. Non, on toucherait ça et ça. Ah, ça vaut quand même le coup. Parce que ça, c'est broken. Ça, on va pas pouvoir les choper, donc on va leur lancer une aveuglante. À moins que je tire en diagonale. Ah, sur les deux là, qui sont pas broken. Oui, allez, go. De toute façon, aveugler les shootas, voilà, ils sont broken. Tout ça, ça va pas tirer. Ainsi que celui-là. En fait, il y a que son gros qui va tirer. Donc le lance-flamme a fait son boulot, là, je pense, hein. Ok. Les loups, bah, il faut lancer l'assaut, hein. Il faut aller soutenir le plus vite possible. Et on soignera ce qu'on peut dans la foulée. Alors, c'est marrant qu'ils aient les baumes de soins, finalement, les loups, parce que c'est vachement bien. Souvent, ils sont à la bourre. Et ils viennent, ils pourront venir comme ça soigner les copains. Ou alors ils sont devant et ils ont besoin des soins eux-mêmes, donc voilà. Okay, ça c'était à prévoir. Mais vaut mieux qu'ils tapent sur les petits. Ils tiennent, hein, mes petits quand même, mes Space Marines. Là ils ont été bloqués parce que ça c'est des unités de corps à corps, ils ont des points énergétiques. On les tient. Bon là par contre, ouais. Ah, 6-2 dégâts. J'ai l'impression que le fumigène a l'air de fonctionner quand même un peu. Ok. On peut mieux faire. Terminator qui n'ont rien pris. Ah, par contre. Oh, heureusement, il n'y a que qui prennent. En slam, c'est pas trop. Ouais, 20 points de dégâts. Largement tranquille. Carnage. Ok, plein de Gretchen. Oh, le tir de lance-roquette. Heureusement, il fait rien. Il fait que dalle. Il a fait 14 de dégâts avec deux tirs de lance-roquette. J'ai cru que j'allais perdre mon Rhino là. Vous voyez, ça se passe plutôt bien là. Oh là là. Le moral qui remonte à cause du chef. Riposte, tué. Tué à la riposte, 420 XP. Sur nos marteaux tempêtes. Alors ça, c'était pas de la blague. Oh, eux, ils étaient broken. Ah oui, mais il a remonté le moral de tout le monde, ce con. Du coup, tout ce qui était broken ne l'est plus. Ah ouais, en faisant la wag, il nous a mis dans le jus, hein. Parce que tout ce qui devait pas agir, va agir, du coup. Oh là là, la remontée de morale du boss, j'y ai pas pensé du tout. Bien vu, bien vu. Ah, du coup, nos marteaux prennent plus qu'ils n'auraient dû. Mais ils ont fait un super boulot, hein, en le ripostant. Ah, une petite riposte, là, ça serait cool. Eh, les filles, bougez-vous. Ok. Allez, on tue. Bim. Oh oh. Le herder, il tape fort, je crois. Ah, il nous a étourdis. C'est ça son bâton. Son bâton, il étourdit. Et du coup, vu qu'on est étourdi, je crois plus qu'il riposte. Hein. Ouais, les loups, ils vont tenir face au Gretchen. Le rhino aussi, je pense. Et le rhino, mine de rien, avec ses munitions anti-tank, il défonce les rocket launchers, hein. Hop. Allez, de retour. Désolé, j'ai mangé pendant que c'était chaud. Alors, ouais, donc la wag qu'il a lancée juste avant de frapper et de se faire tuer, ça nous a mis dedans. Mais on n'a pas pris tant que ça, hein. On a pas eu de perte, en fait, sur nos unités. Donc on a juste des unités très très blessées. Et encore, pas tant que ça, là, ce que je vois. Ah si, il y en a une par terre, hein. Il y en a une morte, là.
Mais 3, c'est tout ce qu'il faut, hein. 4, c'est juste pour avoir le un gars en réserve. D'accord, alors, on a des soigneurs, mais on a des gars qui sont pas du tout spécialisés dans le soin, donc on peut avancer avec eux et aller prendre le point, par exemple. Hop, on va y aller cool. Je vais rester avec ce couvert sur le côté, hein, je préfère. Hop. Eux peuvent aller prendre le point, on aurait un couvert là. Ils pourraient aussi massacrer des Gretchen. Vous voyez, prendre le point c'est bien, mais en même temps, on ne peut pas monter sur cette colline. Hein ? Eux prendront le point au prochain tour, je préfère rester là. Nettoyer du Gretch. Ok, donc faut faire le tour. Lui, il a les munitions anti-tank, donc on y va. Oh là là, il y a plein de couverts devant. Ah, c'est pas grave. Joli crit. Le lance-flamme, il a bien réussi tout à l'heure contre l'anti-tank. Et le lance-flamme a aussi des soins. Ah. Bon, ah bah faisons ça. Et on va tanker avec. Et on va tirer au lance-flamme dans le tas. Si j'avais su que j'avais un si bel angle, j'aurais peut-être pas soigné. Hein. Alors, la grenade aveuglante. Je crois pas qu'il y ait utilité sur quelqu'un, mais peut-être sur les slugas derrière. Ah, là, oui, ça aurait été utile. Eux, on s'en fout. Sluga, ouais. Y en a qui vont se faire attaquer au corps à corps. À limite sur lui pour baisser ses stats de corps à corps. Pour pas qu'il riposte. Et là, vous voyez, on est stun, donc on peut rien faire. On aurait juste un petit tir de lance-flamme ici qui pourrait être cool. Oh, si ça pouvait tuer le la Killakan. Oh là là, on tue la Killakan. Tenue de camouflage pour un déflammeur. Je crois pas. Par contre, des soins, oui. Des soins, oui, et puis on va se décaler un peu. Alors là, l'idée serait de protéger mes deux gars qu'on a décalés. Avec mon rhino. Tuer ce truc. Ok. Le dread. Bon, là, ça a l'air d'être un peu cassé le moral. Il faut qu'on casse bah, la dernière Killakan là-bas. Tout en prenant le point. On n'aura pas la vision, on avance là. Un tir de lance-flamme pas trop dégueu. Ouais, c'est quand même pas fou, on va tuer ça. Ok, c'est juste parce que c'est un Burna Boys. Hein. Là, nos marteaux tempête, eh ben, yeah, ils peuvent lancer l'assaut. On a aussi nos Terminators, je crois que je vais provoquer l'Overwatch là. Avancer. On a des soins en frappant, non même pas. C'est quand même. Oh, c'est quand même un free kill, j'allais dire. Ils l'ont raté. Putain, on rate notre attaque qui va bien. On va quand même déclencher l'Overwatch. Ça va. Du coup, mes marteaux peuvent atteindre qui ? Peuvent atteindre eux. On l'a raté pas beaucoup. Ok, mais ça va. Alors, les bolters. On a un couvert ici. Bon, on va finir ce qu'on peut finir. Hein. Il nous manque 10 XP. Bim. Alors, grenade emmêlante ou munitions explosives tempête de métal. On a déjà des munitions Hellfire anti-infanterie. Donc, je pense que ça va être ça. Ok. Ok. On a des belles augmentations de niveau là. Alors. Ok, un petit
peu de dégâts, mais c'est vraiment pas fou. On va se remettre là-bas. On va amener les autres bécanes. Est-ce que ça nous met des malus ou pas? On va se mettre à la même portée, on va regarder si eux font mieux. J'ai pas l'impression qu'ils fassent mieux. Hein. Et la portée est pourtant bonne, hein. On est dans le vert et tout. Hein. Ouais, les combis scorcha, bah faut qu'on s'acharne. Mais pourquoi ils encaissent autant? Ces saletés, c'est des nobs avec des combis scorcha? Il faut qu'on se recule, c'est des lance-flammes. Ah, là on avait un malus peut-être parce qu'on était au contact. C'est des combis scorcha. Non mais sérieusement, on va les coller. Il peut nous lance-flammer mais il y a son gars. Et on veut pas qu'il tire ailleurs de toute façon. Ok, les loups. Les loups, on y va. Ok, c'est pas fou. Voyons un autre. Ils sont démoralisés, hein, donc il n'y aura pas de riposte, ça c'est sûr. 28 de dégâts. Ah, ils ont tous des boosts là, je sais pas. Avant qu'ils meurent, il leur a fait la wag. Et vous avez vu comme ils sont. Ils ont l'air. Un petit peu trop pétés là, les ennemis. Tout ça c'est broken. Hein. Je sais même pas si ça sert d'envoyer ma grenade. Ouais, peut-être sur lui. C'est pour dire. Alors, qu'il nous fasse pas un coup chanceux et qu'il nous tue un Terminator, ça serait con. Et eux, ben son stun, pourquoi il me les sélectionne? Ok. Fin de tour. Essaye de s'en débarrasser pour libérer ces deux gars. Ça ne suffira pas. What? Ouais, lance-flamme, ça fallait s'y attendre. Ça va. Ouais, alors les bolters là avec les doubles munitions Hellfire et Tempête de métal. En fait, Hellfire ça augmente les dégâts contre l'infanterie. Et Tempête de métal, ça fait que les dégâts que tu fais sont répartis sur toutes les unités du coin. Ils prennent tous un petit pourcentage des dégâts faits par sur la cible. Du coup, tu fais énormément de dégâts sur la cible et il y a une partie de ces dégâts qui sont répartis sur le reste. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue du coup. Alors évidemment, ça aurait pu être... malin de pas donner deux types de munitions en même temps. Oh joli l'attaque psychique. Qui nous déboîte un Terminator. Il nous a fait un smite hein, en gros. Oh ça pique. Tu verras, il en prend autant. Bim, là on achève. Oh, les bécanes qui sont en sale état. Mais on s'en fout. Alors il a pu quand même tirer au lance-flamme, mais là il pourra que tirer au lance-flamme justement et tuer son pote. Ok, je savais pas s'il allait le faire, mais il nous a tué en un tir. Ah ouais, quand même. Je pensais pas qu'il nous se débarrasserait en un seul tir. Hein. À moi. Ok, faut tuer son psycheur. Psycheur Zeno. On va aller choper eux. Ok. On peut pas grimper, mais... Ouais, c'est peut-être violent d'essayer de traverser à l'endroit où il y a le plus de blindage. Alors, mes marteaux tempête, non. Commençons par les plus éloignés. Et ceux qui ont moins de chances de trouver des ennemis. Ok, ça suffisait pour passer de level. Grenade crack ou munition en tête chercheuse? Eh ben franchement, je pense que c'est la crack. On va dans le véhicule. Là, on aura... Ouais, si, on aura du tir quand même.
Enfin, on n'aura pas du tir. On aura du tir sur les Gretsch. Voilà, moins de Gretchin, plus de fun. Hop. Pas besoin de soigner. Carbonisons le Burna Boy. Ah, on a rien tué, hein. Là, on a quoi? On a le lance-flamme lourd. Ouais, mais on a bloqué le passage, en vrai. Tirer là-bas, il y aura pas grand-chose. Ah, c'est le lance-flamme lourd qu'on aurait dû envoyer là. Après, si on casse ce truc... Ouais, bon, on va pas avec ça. Ouais, pas avec ça. Attendez, il peut pas bouger mon rhino là. On va encaisser cet Overwatch. Pas mal. Dreadnought. Bah, le Dreadnought pour casser les trucs, c'est le mieux quand même. Et on pourrait directement tuer ces deux unités en vrai. Ou disons en tuer une. Et peut-être casser un truc. Allez, soyons fous. 246, non, on le cassera jamais. Hein. Ça, on aurait pu, la carcasse, mais on n'a pas la visée dessus. Donc, achevons autre chose. Lui, genre. Lui ou lui. Ou lui là-bas. Tiens. 24 de dégâts. C'est pas fou. On a une moto défoncée là. Alors. On se rapproche. On auspex. On allume ça. On se replie. On aurait dû faire ça avec toutes les motos, hein, plutôt que d'essayer de tanker ou de je ne sais quoi. Non, 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 meurs pas. Meurs pas, j'ai besoin que tu tues lui. Il l'a raté. Oh, il l'a raté deux fois. Mais j'y crois pas. Ok, alors là, on a quoi? Bolter Tempête, Joko Joe. On a un buggy là et un truc sur quoi on fera rien parce qu'on a des munitions explosives de métal. On pourrait achever ça mais non, je crois que c'est ça. Presque. Les bolters. Dommage, ça n'a pas suffi donc on est obligé de tirer. Voilà, donc là on a de bons couverts finalement. Et il faut tuer ça, hein. En même temps, si je tire là, c'est un carnage absolu. Hein. 424 de dégâts. Mein God. Par contre, on n'a pas tué les Burna Boys. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, des Space Wolves. Prêts à en découdre, mais qui n'ont pas la portée. On va tirer sur les Burna Boys. Juste espérant en tuer un. Ouais. Ils sont dans une bulle de warp, hein. Donc on fait moins, mais on fait quand même. On fait quand même un peu. On pourrait soigner les copains. Je vais faire le premier tir et voir d'abord. J'ai presque envie de retirer. Mais bon, allez, un petit peu de soin. On va le payer sur le lance-flamme. Hein. Là, on a le lance-flamme lourd. Bah du coup, on va avancer là. Mettre un coup de poing énergétique. Défoncer ce truc. Avancer. Et carboniser eux. Ah, finalement on est passé. Finalement on est passé. Et je crois que on a plus besoin de ce côté. Voilà. Alors il nous reste quoi? Marteau Thunder. Bah on va se mettre entre les deux.
Mais est-ce qu'on va tuer le héros ou on va finir les lance-flammes? Je crois que c'est les lance-flammes, hein. Il y a trop belle cible. Même si ça nous éloigne du héros du coup. Ok, on a fait pas mal d'XP sur celui-là. Tuer le Warboss plus ça. Et là on va prendre un petit peu cher, mais normalement c'est le dernier tour, on dérouille. Dommage, ça va pas suffire. Contact, putain, on a pris 158 dans le dos. Des munitions éclat de fer, justement. Ah ouais, ils nous ont défoncé, les bolters. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, je les avais pas eus, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je les avais pas vus, j'ai vu eux, mais pas eux. Jolie riposte. On lui a mis deux coups, hein. Voilà, et il soigne. Alors ce qui est bien, c'est que l'unité orc, ils ont directement un soigneur, vous savez, qui a des compétences de soins, quoi, un pen boy. Nous, on a des gars qui ont des baumes et des conneries. Mais c'est tout. Alors, ok, on monte. Eux régénèrent, hein, donc on s'en fout. Lui, il a des soins. Non, il a de la régénération aussi. Hop, on prend le point. Et on va pour redescendre. Et je pense pas que j'ai la portée. Si! Carbo! Et c'est 2 kills, hein, 80. On prend. Alors là, il y a du soin par contre. Alors attendez, lui il est pas blessé. On peut pas soigner les mécaniques. On peut aller soigner eux par contre. Qui ont vraiment pris trop cher. Cleanse, purge, kill. Hop, heureusement, dans un mouchoir de poche, notre lance-flamme touche pas là-bas. On va déclencher un Overwatch ici, mais on pourrait aller directement là et tirer sur ça. Allez, go. Voilà, on a mis cher, hein. On a mis super cher. Dreadnought. Hop, on avance, on va... Ah non, on peut pas tuer les penboys, bah tuons ça. Bon, on fait des trous si on n'arrive pas à avancer. Du coup... Hop. Le rhino en plein milieu. Allez, presque. On n'arrive pas à faire des XP avec lui, hein. Avant de se faire engager, ben on va lui tirer dessus à la loyale. Ah, il peut pas riposter, il a pas de morale de toute façon le machin. Oh, dégâts de daube. Ouais, bon c'est pas fou. Vous voyez, il y en a plein qui sont déviés à cause de la bulle. Hein. Bim, 121. Bim, ah oh, il le rate. J'y crois pas. Eh ben donnons-le à la moto là qui a trop pris cher. Joli kill. 200 XP. Ah! J'ai pas réussi à gratter celui-là. On va prendre avec l'autre moto. ...80 XP. Il a réussi à le rater, hein. Je sais pas comment il l'a raté, mais... Ah, on a une fumigène de up.
Voilà. Alors, le Rhino qui va bien. 80, ouais, allez. Non, on se le fait le Pen Boy, déconne pas. Oh là là, on se fait pas le Pen Boy. On a des mules anti-tank et on n'arrive pas à se le faire. On y va avec les loups, allez. Les loups, 300, oui, ils ont besoin d'XP. Joli. Petit 40 XP. 100 XP, waouh. Qu'est-ce que c'était pour 100 XP? Ah, mais il y a un gars là. Qu'on a complètement oublié. Lui a déjà tous ses XP, hein. Je sais pas si ça vaut le coup de tuer avec Chapitito maintenant. Par contre, les loups. Les loups sont... viennent de juste de se faire soigner. On va aller tuer là-bas. On va se faire un petit moment détente et leveling. Alors, c'est Karazu qui passe de level, grenade affolante ou bombe Melta. Bombe Melta, bien sûr. C'est la version anti-ultra lourd. Hein. J'ai bien envie d'aller tuer le Pen Boy quand même. Attendez, on va regarder si on a autre chose. Non, on n'a plus que. Ouais, on va finir quand même. Tant pis pour les pecs. On va finir ce qui gêne. Aïe, 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 aïe. J'aurais pu toucher eux et avec les tempêtes de métal, c'est dangereux. Hein. Et on va se tourner pour pas qu'ils fassent l'Overwatch. Voilà. Oh, le Pen Boy va se faire défoncer par un de ces trois-là. Ah bah non, il a même pas bougé. C'est dit, si je bouge, ça va être la merde. On prend le point. Non, on va tuer lui d'abord. Non, on va prendre le point d'abord. Hop. Voilà, des XP pour un Rhino, ça en marque pas souvent. Ok, mission tranquille. Hein. Petite escarmouche à 3000. Rien de folichon, mais ça nous permet de finir quand même deux level up. Alors que deux. Bon, grenade crack et bombe Melta. On améliore notre arsenal anti-tank. C'est jamais perdu. Hein. Et on a la prochaine embuscade à Govville. On va juste stopper là et puis j'enchaînerai directement sur Govville. Merci d'avoir suivi et à bientôt.